calme des mathématiques, maths, c'est time. Et time, quand je connais, c'est les trucs de mesure, peut-être peut mesurer quelque chose, ici on peut mesurer le temps qui passe. Okay? Et petit petit qui est un syllabus, c'est seconde. Seconde, c'est petit petit unit, c'est-à-dire le temps passe très vite, comme cause en PM seconde. Seconde, écrit comme ça en anglais, et ce symbole sera S, un petit S. Et 60 secondes, écrit une minute, one minute, écrit pareil comme en français, minute, mais en anglais, on dit minute, et ce symbole c'est M-I-N, toujours une petite lettre. Et 60 minutes, t'as passé, t'es à 1 hour. Hour, comme ça, et puis ce symbole c'est un petit H. Et je te connais, 24 heures temps passé, c'est un jour. Donc c'est 1 day. Jour aussi, nous pouvons mesurer des temps. Et 7 jours fait 1 week. Et 4 weeks, à peu près 28, 29, 30, la plupart du temps c'est 30, 31 jours. Et 31 days makes 1 month. Months aussi, c'est un unit de time. Et 12 mois fait un an, 1 year. Il y a aussi, c'est topic time, de mesure du temps qui passe, les années. Et pour connaissance générale, une période de 10 ans, 10 years, on appelle 1 decade, en français de ça, une décennie. Et century, nous apprenons dans l'histoire géo, c'est 100 ans, on appelle ça one century. Et aussi millennium. Millennium, c'est, moi, ce nom qui est indiqué, c'est la période de 1000 ans, millennium. Exemple, là, nous donnons 3e millénaire, parce que 2000 ans, infini passé, nous donnons 2021, donc c'est 3e millénaire qui est infini commencé. Voilà, ça c'est ces trois-là, decade, century, millennium, c'est pour connaissance générale. Mais ça qui est notre topic time, nous apprenons seconde, minute, hour, day, week, month, year. Et ça maintenant nous trouvons dedans, sur tous les trois-là, day, month, avec year. Nous trouvons un topic, un seul topic dans time qui s'appelle calendar, calendrier. Ok, voilà en général c'est quoi ce temps que vous pouvez apprendre dans le topic time, le syllabus et la salle. Donc les trous de part 1 de votre livre. Ok, alors sans tarder, je finis notre livre et puis là on commence à faire ce van conversion, c'est-à-dire que vous mettez exemple dans 1 minute et 60 secondes. Ok, dans 1 hour et 60 minutes. Et comme ça, nous avons convert et je te rappelle bien, tu dis, tab 6 est très important. Tab 6 pour 6e est très important parce qu'il faut nous mettre tab 60, nous faire tab 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 48, 66 et dans une quinzaine, un 0. Comme ça, c'est facile de mettre plus vite. Quand nous faisons exemple, hour and me minutes. Donc, sans tarder, on va mettre ça tout de suite. Donc, nous pratiquons un peu dans la classe la dernière. Donc, nous pratiquons un peu. Donc, 1 hour, c'est la base. 1 hour is equal to 60 minutes. Ok, donc 2 hours, j'ai dépassé 6, 12, 120. Ça y a le même, 3 hours, 6, 2, 18, 180, 18, 0, 180, 4 hours, 24, 6, 2, 18, 24, 0, 240, il y a le même comme ça, donc si vous avez 7 heures de temps, vous êtes là pour faire 6, 2, 18, 24, 30, 36, 42, 7 les doigts, 42, 0. Ok, ça c'est clair. Vous êtes en plus de 40 outils. Et le table qui est important de temps, pour mathématiques en général, c'est table 15. Table 15, quand nous faisons un tel rond, nous faisons la croix, nous mettons 15 minutes, 30 minutes, 45, 60. Et table 15, c'est 15, 30, 45, 60, 75,
plus 15, ça coûte plus 15, car plus 15, c'est facile. Mais bon, le point n'est que la lame pour gagner, si nous prenons un exemple. Et on va dessiner comme ça. On va dessiner ce palier si tu as envie. Et donc 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et la roue fait 60 minutes, bien sûr. One hole, 60 minutes. Si nous prenons one quarter est quoi? One quarter, hour. Okay? Parce que tes aiguilles, quand il est là, on appelle ça au clock. Enfin, longs aiguilles, quand il est là, on appelle ça au clock. N'importe quand, quand longs aiguilles ont 12, 60, ça va vous trouver, 12 ans que vous trouvez. Quand longs aiguilles ont 12, on appelle ça au clock. Pour les réveils là, ils faisaient 60 minutes. Mais one quarter là-dedans, one quarter ça. One quarter hour is equal to 15 minutes. And you will get a quarter of a minute. Donc 15 minutes, 15 minutes, tu venir. Ok? Et là, tu vas dire la demi-heure de la minute. 30 minutes. Parce que half, c'est la moitié, on a la moitié, half. Half hour, c'est 30 minutes. C'est comme quoi que ça. Tellement facile. Divise 60, donc nous avons que divise 60 et divise par 15. Good. Et puis, pour te voir, tu peux trouver. 15, 30, 40, 45, 15, 30, 45. Free quarter, c'est 45 minutes. Donc, comme ça, quand même, je vais faire un mix number maintenant. Ok? Deuxième cas, prend exemple. Nous gagnons 1.5 hours. Nous faisons 1.5 hours et donc 1 c'est 60, tape 6, un coup tape 6, 60, tape 0 et half c'est 30, 60 plus 30, nous faisons un petit calcul vite vite. Si nous n'avons pas de café de la tête, nous faisons un petit calcul, c'est 90, 90 et minutes. Dans une heure et demie, il y en a 90 minutes. Donc, qui dit dans un match de football, c'est 90 minutes. Quand nous partons sur mi-temps, sur mi-temps 15 minutes. Et des coups de 45 à 90 minutes, donc une heure et demie. Et nous avons un autre, n'importe quoi, 2 hours, 2 and 1 quarter hours. Et donc, moi, je fais 2 fois 60, 6, 12, 120. Et ça, c'est 15. Donc, nous avons fait dire, si nous avons tu calcules vite, 120 plus 15. Donc, dans quelques secondes, nous avons fini la réponse. Nous avons un autre tonic, c'est un petit numéro là. Ça, nous avons fait très, très facile. À cause de ça, nous avons une table 6 bien. Et table 15. Ok, les enfants? Donc, et puis, nous allons faire une problème. 4 and 3 quarter hours. 3 quarts d'appel. 15, 30, 45. 15, 30, 45. Ça, c'est 45 minutes. Dans 3 quarts de temps, il y a 45 minutes. Et dans 4 hours, 6, 12, 18, 24. 240. Nous avons plus 8. 240 plus 45. Et comme ça, nous allons faire un temps mélange, donc nous allons utiliser le programme des vols, nous allons faire plus tard. Et nous allons faire un tirage de attention. Et time sur base, c'est différent. Déjà, sur votre calcul, c'est différent. C'est à la base de 60. Puis, il parle pas des autres, quand il complète 10. Exemple, si nous prenons length, nous faisons 1m50 plus 1m. Disons 60 centimes. Plus 60 centimes. Ben, ça calcule là, il ne faut pas de length, mais nous avons fait 150 plus 160. Ouais, on a fait 150 plus 160, donc il n'y a pas de résiste au milieu qu'on a un mètre, un centimètre, bien sûr. Et je veux dire, quand nous dépassons 10, exemple là, nous dépassons 10, 11, on va être là-haut. Donc ça, pas de problème. Et kilogramme aussi pareil, je veux dire, masse aussi pareil, capacité aussi pareil. 5 plus 6 c'est 11, 1 là-haut, 1 plus 1 est 2, il fait 2 mètres, 10 cm. Okay? 1m50 plus. Donc, j'ai trouvé un calcul normal, par exemple, on a petit propriété ou soit un bruit là-haut, c'est-à-dire, change colonne, 10, t'arrives après ça, t'as pas 10 là-haut, mais dans time, c'est différent. Time, c'est la base de 10. Ok? C'est la base de 60, sur vous. Un exemple. Quand nous gagnons 1m50, 1.5 m, combien de centimètres est là? 150, tu connais, tape 100.
centimètres, c'est à 100 et 50. Ça, ça me finit en fait. 150. Mais pour Time, vous avez attention, pas de piège. Time, par la base de 10 litres, pas fait à 10, pas fait à 100, pas fait à 1000 litres. L'île est à 6, je rappelle. Donc, quand on arrive, n'importe qui numéro, le Time, il faudra faire très attention. Il va y avoir un post-tense dans l'anglais, mais vous avez fait attention parce qu'il y a un post-tense sans Z. Donc, pareil pour Time aussi. Quand on rentre le topic Time dans le papier, dans livre, ça donne test papers, vous travaillez à la table, ça donne livre, leçon, vous voyez, ok? Donc, si vous faites attention, time, tout ce qu'on calcule, il y a la base de table 6, table 60. Un exemple, dans l'examen, il calcule 1 and 1/2 hour is equal to, et puis il donne ça dans, souvent il donne ça dans multiple choice, il y avait 130 minutes, il y avait 150 minutes, il y avait C, 112 minutes. Et puis, il met D, 90 minutes. Donc, plus beaucoup d'enfants, ça se pense que c'est 150, donc 150 par 130 qui vont. En fait, les deux pas bon. Parce que, 1 hour c'est 60, jamais vous dépasse 100. Pour le moment, là, jamais vous dépasse. Plus tard, dépasse 100, c'est une 2 hours, mais là, 60 plus 30, divisé par 80, 90. Donc, il faudra faire très attention pour nous faire time. Voilà, les enfants, merci. Et. Donc, quand vous êtes debout, vous pouvez vous connecter debout au café. Quand vous lisez dans votre cahier, dans mon explication là, vous pouvez arrêter la vidéo là, vous pouvez stopper la vidéo, noter. Donc, j'espère que ça aide. Donc, comme ça, vous pouvez faire une petite vidéo tous les jours pour aider compléter ce programme. Et bien sûr, quand vous avez un topic pour tirer, vous pouvez vous connecter. Qui topic est tiré de la syllabus? Merci beaucoup.